Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de visiter différents lieux dits en une seule partie. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gants de Spider-Man. Parce que moi c'est ce que je vais utiliser, c'est la meilleure astuce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser les gants de Spider-Man pour vous déplacer plus vite. Parce qu'il va falloir visiter 5 lieux dits en une seule partie. Donc pour vous déplacer plus vite, récupérez ces gants de Spider-Man, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez vous diriger vers des lieux-dits. Alors, les lieux-dits, c'est tout simplement les noms des villes que vous voyez comme Tilted Tower, Greasy Groove, Rocky Reels, Shonker Speedway. Tous les noms de villes que vous voyez sur la carte, ça, c'est des lieux-dits. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de... Moi, j'ai été chercher les gants d'ici. Donc, directement, ce que je vais faire, c'est aller à Greasy Groove, puis après à Tilted Tower. Donc, hop, je me sers de mes gants pour voyager beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, hop, je visite... Greasy Groove, donc je m'arrête ici, voilà, maintenant, ça veut dire que Greasy Groove aurait été le premier lieu dit que j'aurais visité. Donc maintenant qu'il est validé, je continue mon chemin, je vais vers Tilted Tower. En utilisant bien entendu les gants de Spider-Man, regardez, c'est très facile. Après si vous vous loupez, il y a un temps de rechargement, donc ça c'est un peu dommage, mais bon. Faut juste faire attention de bien choper... Les arbres au bon moment pour pouvoir ne pas perdre son combo et se déplacer super rapidement. Donc là, regardez, je suis à Tilted Tower. Ça, c'est la deuxième ville que j'aurai visitée. Maintenant, je vais aller vers le camp Cuddle, qui est juste un peu plus loin sur ma gauche. Ah, j'aurais pas réussi. Donc là, je vais aller visiter le camp Cuddle, par exemple. Ensuite, je vais à Couvert Caverne. Et puis ensuite, je me dirige vers Logjam, Lumberyard ou Shifty Shaft. Ou alors, vous pouvez directement vous diriger vers Rocky Reels à côté de Tilted. Puis après, Sanctuaire, Connect Crossword. Donc voilà, vous visitez 5 lieux dits. Et quand vous aurez visité les 5 lieux dits différents en une seule partie, c'est très important, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikoolo Mike et ciao. Peace.